Bonjour les CP, c'est l'heure des maths. Alors si vous vous rappelez bien, l'autre fois, je vous ai expliqué comment on se repère dans le temps, dans un jour, dans la semaine, dans le mois et même dans l'année. Vous avez bien fait les exercices, je vous félicite. Maintenant, on passe aux exercices d'évaluation et soutien. Vous avez deux problèmes. Numéro 1, j'utilise le calendrier de cette année. Alors, de quelle année s'agit-il? Très bien, l'année 2020. Karim a rendez-vous avec son dentiste le cinquième jour de la semaine. Alors, vous vous rappelez bien les jours de la semaine? Alors, regardez, c'est quoi le cinquième jour de la semaine? Et j'écris le nom de ce jour. C'est très, très facile. Maintenant, numéro 2. Papa nous propose d'aller au parc le dernier jour de la semaine. Relisez encore les jours de la semaine et faites attention au dernier jour. J'écris le nom de ce jour sur les pointillés. Je crois que vous n'aurez pas de problème à faire ces deux exercices tout seul parce qu'ils sont très très faciles. Allez, bonne chance! J'attends vos réponses. Au revoir, petit. Bisous.